Alors que la finale de l'Eurovision 2023 se déroulera le samedi 13 mai prochain, Lazara a récemment inquiété ses fans en annulant à la dernière minute une prestation très attendue. La représentante française au concours vient toutefois de sortir du silence. Encouragez-la. CIST par ce cri du cœur qu'Alexandra Redamiel, directrice des divertissements et des jeux de France Télévisions et chef de la délégation française de l'Eurovision, s'était confiée à Télé Loisirs le vendredi 21 avril dernier, quelques jours après que la chanteuse Lazara, représentante française à l'Eurovision 2023, qui aura lieu le samedi 13 mai, à Liverpool, a défrayé la chronique à Amsterdam dans le cadre d'un concert réunissant un grand nombre de participants et de fans de la compétition. Cette dernière avait en effet annulé à la dernière minute sa prestation, en évoquant un souci personnel. Dans la foulée, Lazara avait également annulé tous ses rendez-vous promotionnels. Mais surprise, ce mercredi 26 avril, l'artiste est sorti du silence sur Twitter pour rassurer ses fans. Lazara, Eurovision 2023, brise le silence, je voulais vous rassurer. Hello la France, hello l'Europe. Je suis à quelques jours de partir à Liverpool et je voulais absolument vous adresser ce message de remerciement. CIST la dernière ligne droite et je suis plus que jamais déterminé à porter avec fierté et amour les couleurs de la France. Avant que la compétition ne commence, je voulais vous remercier chacun d'entre vous. Pour votre soutien, votre amour et vos messages. Vous m'avez donné une force inimaginable et je voulais vous rassurer. CIST dans les moments les plus difficiles que l'on voit les gens qui nous aiment et la puissance de l'amour débute la chanteuse. Lazara, Eurovision 2023, même si on ne peut pas toujours faire l'unanimité. Et l'interprète du titre évidemment, pour leur classer à la quatrième place de l'Eurovision 2023 par les bookmakers, de poursuivre, même si on ne peut pas toujours faire l'unanimité, vous avez été si nombreux à me dire que vous croyez en moi et en ma chanson. En notre chanson. Et si est-il tout ce dont j'ai besoin. Restons concentrés sur l'essentiel. On est prêt et même plus que prêt. Nous allons faire scintiller la scène de Liverpool. Nous avons préparé un spectacle éblouissant, dangereux et so chic à la française. Point, Liverpool, la grande France arrive. Conclut Lazara en référence au refrain de sa chanson. Le message est passé. J7 avant le grand départ des 7 before the big start @ludurel @alexred @efevalencac @eurovision fait 2 @eurovision hashtag Eurovision pic. Twitter.com/sia0bfkhc, Lazara @lazara-ba, April 26. 2023 à lire aussi Eurovision 2023, la direction de France Télévisions s'explique après l'annulation du concert de Lazara.